Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue en ce dimanche 26 avril. Euh, donc, hier, il n'y a pas eu de live. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit menu bien cool. On va analyser les données euh, de vente immobilière en France. Donc, ils ont appelé ça les données de demande, demande de valeur foncière. Donc, on va récupérer tout ça directement euh, sur le site euh, d'un site euh, du gouvernement qui met à disposition t -t toutes les données. Open toutes les données publiques. Donc euh, vous allez voir, on va bien s'amuser. On va essayer de faire un modèle de machine learning ultra simple pour voir si on arrive à prédire euh, les prix des maisons. On va surtout beaucoup passer de temps pour réviser ce qu'on a vu euh, durant cette deuxième partie de la série, c'est-à-dire... Euh, tout ce qui est la manipulation de données, tout ce qui est l'exploration de données, les graphes, etc. J'espère que le menu vous plaît parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Donc, on va voir où est-ce que ça va nous mener. J'ai téléchargé la base de données, je l'ai préparé un peu. Je vais vous montrer aussi euh, comment je l'ai préparé. Et, euh, et c'est parti. Sinon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si ça va. J'espère que ça ne va pas trop bugger aujourd'hui. On est dimanche. Euh, j'espère que ça ne va pas bugger comme les vendredis soirs. Allez, c'est parti. Donc, euh, les données qu'on a récupérées, c'est cela. Euh, c'est les données de valeur foncière. Donc, sur un site qui s'appelle data.gouv.fr, en fait, sur ce site, vous pouvez récupérer... Euh beaucoup beaucoup de données hein, que met à disposition le, le gouvernement. Bon parfois ils sont ils sont ils sont pas hyper euh, tip top c'est à dire que c'est parfois c'est des données euh, pas avec beaucoup beaucoup de valeur derrière parce qu'ils sont souvent beaux, très beaucoup regroupés alors que souvent on préfère avoir des données euh, à la maille la plus fine possible mais en tout cas euh, bingo avec ce avec cette base de données, c'est le cas. Euh, pour info, il y a beaucoup de startups aussi qui sont lancées à partir de cette base de données pour vous promettre de vous prédire le prix des maisons ou investir, etc. Comme vous pouvez facilement l'imaginer avec ce cas d'utilisation. Donc on a les données de 2015, 2016, 2017, 2018. 2019, ah, pour ceux qui veulent récupérer sur Git, normalement, je crois que euh, je les ai, j'ai mis tout ça tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, je check en même temps. Euh, tac. Euh, Dites-moi dans le chat si ça va vous, déjà. En attendant, <laughs> j'espère que tout le monde va bien. Euh, tac. Non, il manque, il manque ça. Je vous l'ajoute tout de suite sur GitHub pour ceux qui veulent le récupérer. Tac. Parce que vous, on va, on va pas, on va pas manipuler directement ces données. Je les ai un peu rétrécies. Et euh, on va manipuler un, un sample de données. Euh, parce que là, vous voyez que la, le jeu de données, il fait 400 mégaoctets, euh, 400 mégaoctets environ par, euh, par, euh, par an. Ça fait, euh, je sais plus, mais ça fait beaucoup, beaucoup. Euh, je l'avais analysé là tout à l'heure. Ça fait par an, on a 200. On a 2 millions. Euh, on a ouais, 2,5 millions. Hop, là, vous voyez pas. On a 2,5 millions de données par an. Donc euh, si on s'amuse à récupérer euh, sur 1, 2, 3, 4, 5, on va facilement euh, atteindre les, les 12 millions et, euh, de données. Et euh, même si on est sur Collab, on va essayer de faire un sub sample de données. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, donc j'ai fait, je vous ai préparé, un, Alors, ai, fait chauvin, ai préparé le jeu de données. Alors j'ai fait mon chauvin, c'est-à-dire que j'ai préparé le jeu de données en analysant et en récupérant uniquement les données de Marseille, <laughs> parce que pour ceux qui savent, je suis de Marseille, donc on va analyser euh, le prix de l'immobilier à Marseille, d'accord C'est un choix, euh, pas uniquement pour être chauvin, mais c'est aussi un choix, parce qu'en fait, c'est une grande ville de France, euh, à l'instar de Paris, par exemple, euh, où on va s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup, 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 beaucoup de données. Donc là, je me suis dit que Marseille, c'est un choix à peu près logique, et vu que je connais très bien cette ville, on va pouvoir interpréter rapidement. Et savoir pourquoi rapidement il y a des choses plutôt étranges. Donc euh, là j'ai récupéré les données. Donc là vous voyez que j'ai fait une petite fonction que je vous ai mis aussi. Ça c'est pas le, le notebook hein, qu'on va voir ensemble, mais je l'ai fait tout à l'heure pour préparer la vidéo. Euh, si j'enlève la caméra juste pour vous montrer. Donc ce que je fais c'est que j'ai fait un dictionnaire avec toutes les années et toutes les adresses, d'accord, sur le site du gouvernement. Euh, après j'ai euh, récupéré, donc j'ai droppé. Euh, des colonnes qui vont nous servir à, à peu près à rien, dans le sens où ils sont beaucoup, beaucoup vides. D'accord Donc j'ai droppé toutes ces colonnes, ok Pour alléger, justement, euh, pour, pour alléger la base de données, euh, pour euh, aller encore plus vite, là, dans l'heure qu'on va avoir. Et euh, aussi, euh, parce que ce n'était pas forcément des trucs qui étaient intéressants, il y a même des choses euh, parfois. Euh, Ici, tout est vide, quoi, parce qu'ils ont dit qu'ils peuvent pas le, le donner en, en raison d'un décret, etc. Mais à ce moment-là, enfin, dropper la colonne, pourquoi vous la laissez, pourquoi vous mettez une colonne vide Bref, c'est pas grave. Et du coup, j'ai récupéré la liste de tous les arrondissements. Alors là, vous aurez pu me dire, mais tu as juste à chercher if Marseille est dans la colonne euh, ici, là, dans la colonne tac-tac-tac, commune. Mais en fait, quand je récupère if Marseille est dans la colonne commune, je récupère aussi, euh, voilà, je récupère Marseille-les-Aubignies, Marseillette, Marseille en beau 6 Et ceci n'est pas ma ville. Donc, j'ai récupéré ça. Après, euh, je fais juste un petit sample. J'enregistre tout ça. Je concatène toutes les années. J'ai créé une colonne année, d'accord, pour bien garder la trace euh, en quelle année euh, correspond euh, la vente. Et euh, voilà. Donc, on arrive sur un petit jeu de données qui est plutôt sympa. Euh, donc voilà Marseille, le vieux port. Euh, page Note Found chez moi. Est-ce normal euh, Ah non, je euh, pff, je sais pas. Je vais je vais voir, je vais voir, je vais voir. Mais normalement, enfin celui dans la description normalement il marche. Euh, je vais checker là. Ah ouais non il marche pas. Ah ouais il marche pas. Bah je sais pas pourquoi. Euh, pourquoi il marche pas celui dans la description Ah oui ok parce qu'il y a les trois petits points et parce que j'ai fait des gros copier-coller sauvages Sorry, c'est ma faute. Euh, je vais updater la description et vous allez la voir dans deux secondes. Ah, ok, m merci de m'avoir dit parce que je ne m'étais pas rendu compte. J'ai fait des copies-collées sauvages. Tac, tac, tac. Bam. Sinon, vous pouvez juste le retrouver euh, sur mon GitHub. Hein. Si vous allez sur, euh, sur, sur, sur mon GitHub, euh, vous pouvez le retrouver directement. Donc là, je vous mets le lien. Tac. Et normalement, c'est bon. Euh, normalement, vous avez dans le lien dans la description. Euh, mais je vous le mets aussi ici. Euh, ok. Euh, C'est parti. Donc ce jeu de données euh, comprend euh, plein plein de colonnes, comme vous pouvez le voir. Alors on a de la chance. Euh, le gouvernement nous a mis à disposition un petit dictionnaire de données sympa. Enfin un petit dictionnaire, des, des... déjà il nous explique qu'est-ce qu'il y a dans la base de données ici dans la note descriptive. Donc, demande de valeur foncière. Et ici, euh, on voit tous les jeux de données. Donc, on a euh, le numéro de disposition, je ne sais pas c'est quoi. On va, on va éviter de, de perdre du temps sur, sur des colonnes euh, qui ne nous parlent pas directement. Date de mutation, donc ça c'est la date de signature de l'acte. Ça c'est un hyper bon... Euh, ça c'est hyper important d'accord la nature de la mutation vente en l'état futur achèvement vente de terrain et je suis pas expert en immobilier hein. je, veux, je préfère vous le dire tout de suite après on va voir la valeur foncière le numéro de la voie le type de voie le code de la voie donc ça en fait ça c'est tout ça nous, va nous donner l'adresse et c'est hyper hyper important comme ça au moins on pourra aller sur Google Maps et voir si jamais il y a des choses qui nous paraissent étranges euh, libellé de la voie aussi ok commune donc le nom de la commune ici donc on va seulement travailler sur Marseille et ses arrondissements euh, référence cadastrale de la parcelle, ok. Un lot de copropriété. Alors tout ça, je l'ai enlevé. Toutes ces choses, la surface carrée, etc. On va pas avoir le temps de les manipuler. Je les ai enlevés. Euh, nombre total de lots par disposition. Est-ce que c'est une maison, un appartement, une dépendance ou un local Ça, c'est hyper important. Code type local, type local. On va voir un peu, c'est quoi la différence aussi entre ces deux colonnes. Donc ça ici, voilà ce que je vous disais Données donner non restitué. La surface réelle, le code, voir le document table de référence. Bois, ça m'a l'air compliqué ça. Nature, culture spéciale, surface terrain. Ok, allez, c'est parti. Lexique. Bon, on va, on va pas plus se casser la tête que ça. J'ai déjà commencé à un peu analyser tout ça. Marseille, en Beauvais, c'est en Picardie. Ah ouais, si c'est en Picardie, on va pas s'amuser à aller analyser ça pour voir le, essayer de prédire le prix de l'immobilier à Marseille. Alors, tac, tac, tac. Donc, comme je vous ai dit, il hein, y a beaucoup de startups hein, qui sont lancées sur cette base de données pour justement prédire à partir d'intelligence artificielle euh, où est-ce qu'il il faut acheter. Même moi, je l'utilise pour savoir si, euh, où est-ce que je peux acheter euh, un appart. Donc, euh, c'est hyper, hyper utile comme base de données et réussir à la manipuler en soi. Euh, vous allez voir, vous allez faire beaucoup d'heureux parmi vos proches euh, si vous arrivez à bien manipuler ça. Typiquement, c'est quoi le prix moyen de l'immobilier ici et On va voir l'évolution, etc. Donc ici je récupère euh, ma base de données. Alors je vais, je vais là on va vraiment faire un vrai premier projet de data science. Donc je m'installe confortablement. Donc première chose que je fais, on importe les données, d'accord. Le réflexe que j'ai à chaque fois, c'est de faire une fonction comme ça, pré-processing, où à chaque fois qu'on va venir euh, euh, manipuler euh, des données et se rendre compte de choses, on va venir au fur et à mesure ajouter ici. D'accord, pour faire re retourner notre data frame. Donc ici, je copie mon data frame original pour pas avoir à l'importer. Parfois, quand vous avez des grosses bases de données, il n'y a rien de pire que devoir réimporter son data frame parce qu'on a fait une erreur. Donc là, la... donc ici, on a une base de données. De, euh, on va la réimporter. J'espère je pas... que c'est passé. On va voir. Tac, si je fais ça, ok, c'est bon. Donc on a 151 000 lignes, 151 000 lignes, ok. Dianis, pour le prochain live, fais tu fais du NLP Ouais, on pourra faire du NLP, il n'y a pas de souci. De... de toute façon, j'ai prévu, euh, on fera euh, une introduction au machine learning. Après, on fera euh, donc des problèmes de machine learning. Après, on commencera à aller vers des applications plus spécifiques comme euh, le traitement d'image, le traitement de son et le traitement de texte. Mais euh, oui, oui, faire du NLP, c'est prévu. De toute façon, on va peut-être en faire un peu ici si on a de la chance. Je sais pas, on verra. Il euh, n'y a pas de description. Non, c'est que des trucs. Bon, on va, on va voir, on va voir. Euh, DF is null. Donc, alors, combien il y a de euh, null dans ce data frame Donc là, on voit qu'on a un data frame plutôt de bonne qualité, d'accord Parce que en même temps, j'ai droppé déjà ici, comme je vous l'avais montré, j'ai droppé tous, euh, tous ceux qui avaient des valeurs nulles, tous ceux qui avaient beaucoup, toutes les colonnes qui avaient beaucoup, beaucoup de valeurs nulles. Alors, euh, on va essayer euh, de. Donc, le, la première analyse que je vous invite, moi, à faire, j'ai commencé à regarder la distribution par rapport à l'année. D'accord Donc, on voit qu'en 2017, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de ventes à Marseille. OK Par rapport aux autres années. En 2015, il y a eu beaucoup moins de ventes. Et en 2019-2018, c'est à peu près similaire. D'accord Alors, ça, c'est totalement dégueulasse. Je ne sais pas c'est quoi. Pourquoi j'ai fait ça Ah, OK, c'est un box plot que j'ai essayé de faire. Bon, c'est pas on le refera après. Après, ce qu'on peut recommencer à regarder, c'est la distribution de ces valeurs foncières à partir de l'année. Donc là, ici, on fait avec un petit plotly. Euh... Euh, non, ça bug pas. Ne commencez pas à me faire peur en me disant que ça bug. <laughs> sûr que je pense que c'est quasiment sûr que ça va bugger. Mais, euh, mais euh, bon, si ça bug, on est habitué maintenant. Vous savez que je reviens. Mais euh, YouTube, YouTube nous aime pas. Wow. Alors là, on a un, une valeur foncière énorme. Là, on voit. Qui a un, euh, quelque chose qui s'est vendu à beaucoup, beaucoup par rapport aux autres, quand même. Là, euh, 35 B, c'est pas 35 billions, quand même. Attendez, là, on est à combien en valeur foncière Là, ça doit être 160 000, je pense. Donc, non, on est en euros. waouh wow, je sais pas c'est quoi celui-là. Voix des loups B. Bah, attendez, regardez, on va voir tout de suite c'est quoi cet immense outlier. Donc, ici, on va essayer de récupérer un truc qui nous permet de l'identifier. Euh, on va récupérer euh, valeur foncière de, de beaucoup, euh, des voie des loubés. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est vendu dans cette voie. Euh, égal, égal, des loubés. D'ailleurs, je ne sais pas où est cette voie. On va, on va, on va aller sur euh, Google Maps. Google Maps va être notre ami ici. Alors, ici, vous voyez, typiquement, enfin, moi, je suis de Marseille, donc je connais à peu près, j'ai ce qu'on appelle le savoir-métier, vous voyez. Mais euh, je n'ai pas, pas un savoir-métier vraiment. Euh, Vraiment, vraiment deep, euh, vraiment profond sur euh, l'immobilier marseillais. Du coup, euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller euh, voir des Loubets Marseille, peut-être ces rues des Loubets » même, euh, traverse des Loubets ». Ok Donc en fait, Google Maps ici va nous servir d'expert métier. Quand vous travaillez en intelligence artificielle, en data science, dans les entreprises, vous récupérez des bases de données comme ça, mais vous ne savez pas forcément à quoi correspond chacune de ces choses. D'accord Donc là, il vous faut des référents métiers que vous avez questionner. Là ici, notre référent métier, typiquement, ça va être Google Maps. Donc là, on voit qu'apparemment, il y a quelque chose qui s'est vendu ici, qui était quand même hyper cher. Donc, euh, euh, donc je ne vois pas un truc, euh, ça s'est vendu à combien on va voir ça s'est vendu à combien DF, des voix, Déloubé. Des euh, tac, tac, tac. Ah c'est celui-là là. là. 12, euh, 12, 47, 15. Tac, je vais le récupérer. Alors, il s'est vendu à combien 37 millions Non. Ça c'est une erreur. 378 millions mmh, Je crois pas qu'il y a des choses qui se vendent à 318, 378 millions à Marseille quand même. Je vais quand même vérifier qu'on est qu'on me parle bien en euros. Euh, parce que là, ça me paraîtrait un peu bizarre. Quand je regarde la valeur foncière, il s'agit du montant. Dans le cadre d'une mutation à titre onéreux, la valeur foncière est le prix net vendeur. La TVA est incluse, ce prix n'inclut pas en revanche les frais de notaire. Bah ben non, alors c'est en euros. C'est bizarre. Euh, pas loin d'un centre commercial. Ouais, je sais, je sais pas c'est quoi ce truc-là. Mais pourquoi il y a un truc qui serait vendu à Traverse des Loubets à 37 millions d'euros Non, à mon avis, on va le traiter comme, euh, comme un outlier pour l'instant. Euh, je vais voir Traverse des Loubets Marseille, vente immobilière. S'il y a un truc qui s'est vendu vraiment à 300 millions d'euros, euh, ça devrait être affiché, mais je pense pas. Donc non, on va plus le traduire comme un, comme un outlier, ok je vais juste regarder. Nombre, code type local. Type... C'est une maison Non, 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 c'est faux. Il y, a eu, il y a eu faute il y a eu faute de notaire là. Non, non, non c'est faux. Euh, on va on va, on va on va juste le supprimer. Ce sera beaucoup plus simple pour visualiser. Donc, on va dire que df égale df. Tous ceux qui ont une valeur foncière euh, inférieure. Ici, on va essayer. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faut qu'on supprime cela, il me paraissait énorme aussi, mais ça ne me choque pas trop. S'il y a des grosses maisons qui se vendent à 6 millions d'euros, ça me choque beaucoup moins que celui-là. Et de toute façon, il, il détruit un peu notre box Ce n'est pas super cool de l'avoir. Donc, on va dire inférieur à euh, ce, ce prix-là. Là. Je vous ai dit, hein, cette base de données, euh, elle peut vraiment vous servir dans la vie réelle. Hein. Si vous voulez faire un vrai investissement immobilier, euh, vous pouvez vraiment vous amuser là euh, à, à, à utiliser cette base de données. Et si vous voulez le faire sur une seule ville, vous avez juste à manipuler euh, ce notebook pour euh, choisir et prendre le, le, les données qui correspondent à la ville dans laquelle vous voulez investir. Euh, là, on est quand même sur, sur un truc vachement réel. Alors là, Not Supported Between Instance. Ah, ok. Là, il me dit que ça, c'est euh, un, un int. Mm -hmm. Ça me paraît bizarre. df.info. Valeur foncière, c'est un objet. Ah, ça, c'est pas très très bon, ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire df euh, valeur foncière. Donc là, on manipule vraiment la base de données ensemble. Hein. Euh, type int. Bon, J'espère que ça va pas bugger. Là, il y a des fautes. With base int, 0. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, string.replace euh, tous les les virgules, on va les mettre en point. Et après normalement si on fait ça ça devrait marcher j'espère euh, tac 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 donc là ce que je fais euh, il me dit il n'y a pas de valeur foncière pourtant c'est ce qu'on vient de faire là ah non Ouah, bah voilà voilà vous voyez quand je vous ai dit qu'il faut pas euh, il faut faire attention à, à pas vouloir euh, manipuler euh, toutes vos données d'un coup bah voilà on est en plein dedans parce que là j'ai remplacé du coup euh, mon data frame par ma colonne du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je réimporte ma colonne ici et que je refasse mon préprocessing. Vous voyez, c'est toujours pour ça, moi j'ai ce réflexe parce que ça arrive tout le temps. Euh, ok, maintenant si je fais ça, euh, invalid literal int with base 10. Ok, donc si on fait ça, ça marche pas non plus. Euh, bon, sinon on va, on, va le mettre en, on, on, on va le faire en float. Mais ça me paraîtrait bizarre qu'il puisse pas... Si on fait ça, euh... ok. Si on le fait en float ça marche, mais euh... hmm. bon, c'est pas grave. Euh, je, vais le... je vais le faire comme ça. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais reprendre mon box plot. Tac, je vais l'afficher. Et quelques zéros en trop, je pense. Oui, oui, mais c'est pour ça que j'ai voulu le, le convertir. Euh... Ok, maintenant, si on s'affiche, normalement, ce outlier là qui était en haut là à 378 millions. Il est parti. Là, on commence à avoir des boxplots qui sont un peu plus jolis. Mais on voit qu'il y a quand même vachement euh, de données, entre guillemets, extraordinaires. Vous voyez, par rapport, euh, rapport aux au moyennes ici. Donc, en fait, ça fait que nos boxplots, ils sont un peu euh, écrasés. Ça, ça veut dire que plus de 50% de la valeur est située en dessous de ça. Et du coup, là, on a... Euh, ça, c'est que des euh, outliers. D'accord Et là, on a que nos outliers, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, ce, ça, ça doit être des custom data. C'est bizarre un peu. Euh, ça, c'est des, des. Je ne sais pas si c'est des fautes. Custom data 0. OK. Donc, ça, 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 ça veut dire euh, quand c'est nul, je pense. Et là, on a quelque chose qui s'est vendu à 35 millions d'euros euh, dans cette voie. Wow. Euh, 35 millions d'euros. 54 millions d'euros. Ok, donc on va essayer de, de comprendre un peu c'est quoi là, ça, ça, ça. Parce qu'à mon avis, ça doit être des... Euh, c'est ça, ça doit être des centres commerciaux ou, ou des choses comme ça. Donc on va essayer d'en prendre un comme ça là. Henri, Barbus, donc on va refaire notre même jeu. Tac. Et on va dire... C'est juste pour vérifier, mais à mon avis, on ne va pas s'embêter là. Je vous laisserai euh, un peu plus investiguer si vous avez envie. Mais c'est juste euh, pour checker. Barbus. Euh, Qu'est-ce que ça correspond, ça Est-ce qu'il y en a un qui est énorme 183 millions, 183 millions. Euh, non. Ah, c'est lui, là, non 35. Il y a deux fois en plus. Ok, donc apparemment... Non, là, j'aurais plutôt pensé... Je pensais que ça allait être un, des, des duplicates. Euh, D'ailleurs, on n'a pas regardé si on fait un drop duplicate. Euh, on va essayer de le faire là, là. Si Est-ce que si on fait un drop duplicate... Est-ce qu'il y en a qui sont... Euh... Alors, drop duplicate, c'est une méthode. Tac, je descends, sinon vous n'allez pas voir. Hop là. Hop là, allez. Donc, drop duplicate, c'est une méthode, en fait, pour... Euh... Pour... Euh... Euh, tous ceux qui, si, si je ne spécifie pas, donc vous pouvez dire je veux dropper les dupliqués qui sont à partir de cette combinaison de colonnes, donc ça veut dire quand il y a plusieurs, euh, typiquement ici vous voyez je, peux, je pensais que ça allait être un drop duplicate je pensais que ça allait être un dupliqué, mais en fait il y, 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 y a des choses qui changent donc je vais voir si je fais ça est-ce qu'il y en a qui sont euh, dupliqués euh, strict, ça veut dire qu'il y a eu une erreur et on les a rentrés deux fois, vous voyez euh, donc là je vais regarder la, shape de dif la différence de shape si je fais ça, je que ça ne va pas être trop long. Donc là, on est à 143 000. Et ici, on est à 150 000. Donc vous voyez qu'il y a 13 000, euh, 7 000 ventes qui sont dupliquées. Donc ça veut dire que par erreur, on les a rentrées deux fois. Donc là, typiquement, ce que je vais faire, je prends ça. Je le mets dans ma fonction préprocessing. Vous voyez Ça, en fait, c'est un peu mon... Si je peux faire un, un mauvais jeu de mots, c'est un peu mon garbage collector euh, de mon pré-processing. D'accord Ok. Donc maintenant, je fais ça. Je vais rerunner euh, mon... Tac ça. Je, on ne sait jamais, peut-être ça va changer des choses. Là, on voit déjà que 2015, ça a diminué. Donc ça veut dire que potentiellement, il y avait pas mal de drop duplicate en 2015. Euh, Est-ce que c'est infini Ok. On va essayer de voir c'est quoi ce petit truc à 35 millions là, euh, qui est quand même énorme. Euh, 400... Alors, il, il est où Ah, on a le numéro de la voix aussi, j'avais oublié. Euh, le numéro de la wa il est où Tac. Euh, Henri. Alors, et je vais faire and. And df. Tac. Je vais faire des parenthèses comme ça. Valeur foncière inférieure à euh, 30 millions. Déjà, 30 millions, ça me paraît énorme. Non, attendez. Là, c'est bien 30 millions. Tac. Tac. Ouais, c'est 35 millions. Donc là, ici... Je vais faire tac tac. Là ici c'est... Est-ce que c'est 30 millions Ah j'arrive pas, je suis loin de l'écran. Non là c'est 3 millions, il faut rajouter un zéro. Euh... Ah ça c'est le genre d'erreur que j'aime pas. qu'il faut mettre un... Et là, mais là il y a une faute. Euh... Not spotted between, blablabla. Mais je pensais que l'avoir converti... Ah non, je l'ai réemporté, je ne l'ai pas converti, c'est ça. Autant pour moi. Mmh. Euh, tac. Maintenant, si je fais ça... Euh, euh, ok. Ah non, mais je voulais voir justement, il correspondait à quoi en fait Donc du coup, c'est tous ceux qui sont supérieurs à 30 millions. Donc, euh, type de voix, code de voix, voix, numéro de la voix. Alors c'est le 1 rue Henri Barbuse à Marseille dans le 13001. À quoi correspond ça Le 1 rue Henri Barbuse à Marseille. À quoi est-ce que ça correspond C'est ici. Je pense que euh, je pense que c'est un immeuble. Je pense qu'ils ont juste vendu un immeuble. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils ont juste dû vendre un immeuble. Donc, si c'est à 35 millions, ça serait logique. Ah non, c'est un appartement. Bon, je sais pas. Surface réelle bâtie de 135, nombre de pièces principales à 35 millions. L'appartement. <laughs> ça, ça me paraît étrange. Je sais qu'il y, y a des... Ah, hop, hop là, désolé, vous voyez pas. Je sais qu'il y, y a des histoires à Marseille de trafic, mais là, euh, ouh, euh, 35 millions, non, non, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on écoutez, on va se dire, euh, tous ceux qui sont au-dessus de 10 millions, on ne les prend pas. On, on, va, on, on, on va couper comme ça, hein, comme ça, au moins. Après, si vous voulez vous, euh, vous amuser à investiguer plus... N'hésitez euh, pas, mais pour l'instant on va dire que typiquement si je veux acheter un appart j'ai pas les moyens de mettre 10 millions. <laughs> donc euh, je vais rester euh, sur ce que je peux acheter, c'est-à-dire on va dire inférieur à 10 millions, <laughs> même ça déjà. <laughs> 10 millions, tac. Euh, donc je vais dire DF. Euh, le fait d'avoir euh, des, des, des valeurs extraordinaires de 1 million à 10 millions, ça va nous permettre aussi de bien réguler euh, notre modèle de, de machine learning si on arrive à le faire euh, dans la vidéo, mais normalement ça devrait aller. DF, valeur foncière supérieure à 10 millions. Là, ici, ça, j'en ai plus besoin. Je vais regarder à combien on est maintenant. Donc là, maintenant, on est à 140 000, donc on a euh, 10 000 en plus. Tac. Donc vous voyez que les boxplots, c'est hyper utile. Hein. Euh, Peut-être enlève les surfaces commerciales du boxplot. Ouais, bonne idée. Bonne idée, je vais enlever tous ceux qui sont... Euh... Mais de toute façon, je pense que c'est ça, là. Type local. Je pense que type local, c'est euh... ce qui va nous dire si c'est euh... local, industriel et commercial ou assimilé. Ok, donc on va garder que les 1 et 2. Bonne idée. Bonne idée, bonne idée. Bonne idée, Paul. Euh... Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer uniquement euh, ceux dont le type DF df type euh, local. Euh, point .is in a euh, 2. Je vais juste vérifier que type local euh, c'est un int, sinon ça va pas marcher. Hum, ah j'ai enlevé mon df info. Ouais j'ai enlevé mon df info. Bon c'est pas grave. Je vais le mettre ici. tac Df.info. Alors, type local, on est sur des objets, donc on va le convertir en int. J'ai bien fait de faire cette vérification. Donc ici, je vais dire type local égal df euh, type local.as type int. Ok, Mais je ne je vais, je vais pas le copier-coller comme ça direct. Je vais regarder si ça marche. Ici, cannot convert float nan to integer. Euh, ok, bon, euh, ça c'est problématique. Est-ce qu'il y a un code 0 à tout hasard Non, il n'y a pas de code 0. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire euh, df type local euh, point euh, na avec 0 et on va faire ça. Cannot convert float nan to integer. Mais je viens de le faire. Ah Bon, on va, on, on, on va, on va voir il y a quoi dans cette colonne. Alors typiquement, on va faire df counts Donc on va regarder tout ce qui est dans cette colonne. Drop na, on le met à false. Et ici, il euh, y a nan ici. Donc euh, est-ce que c'est euh, nan comme ça écrit ou est-ce que c'est vraiment un, un nan? Donc on va voir df euh, type local. Point is null euh, point sum il y en a bien 24 000 et ça correspond bien à ça donc en fait c'est des nuls donc euh, là euh, pourquoi quand je fais fina ah oui oui parce que je l'enregistre pas autant pour moi tac 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 et là maintenant il me dit il y a un truc type local qui est égal à appartement ah ok parce qu'en fait c'est c'est même pas des int c'est marqué maison ou appartement ah ok euh, du coup, on va. Euh... Ben, du coup, en fait, on n'a pas besoin de faire ça. Du coup, on a juste besoin de faire euh... maison, euh, appartement. Normalement, ça va marcher. Méthode objet is not scriptable. Oui, parce que j'ai oublié des parenthèses. Tac. Ok. Donc, si je fais ça, ça va marcher. Donc, j'ai pas besoin de faire tout ça. Euh, tac. Je vous le mets là. Donc là, on fait vraiment le truc ensemble. Hein. Typiquement. Euh, si on m'avait donné au travail d'analyser cette base de données Là je ferais exactement ce que je suis en train de faire avec vous Donc là ici df local euh, Is in Donc df va être égal à ça Je rerun mon preprocessing Je récupère ça Je récupère ça Et là maintenant si je regarde euh, Tout ça Est-ce qu'on a un boxplot qui est un peu différent mmh, mmh, mmh. Normalement là j'ai gardé que maison et appartement Wow. Mais non, j'ai oublié de. Ok, là, typiquement, c'est parce que. J'ai pas mis ça dans mon pré -processing. Allez, c'est parti, on recommence. Euh... Tac, tac. Ok, donc là, une petite faute. C'est parce qu'il faut le réimporter. Non, même pas en fait. Il fallait pas le réimporter. DF valeur foncière. Ah oui, parce que j'ai oublié de mettre valeur foncière à SteamPint. Ok, vous voyez, c'est pour ça que je fais à chaque fois cette. Petite fonction préprocessing, c'est pour ne pas me perdre dans mon notebook. Euh, tac. Donc ici, j'ai bien tout ça. Maintenant, si on va enfin au boxplot et qu'on essaye de voir, est-ce que ça a changé quelque chose. Euh, alors, je vais m'enlever. Est-ce que ça a changé quelque chose bon, Déjà, on commence à avoir un boxplot euh, qui est... Il, est, il, est, il commence à. Il, il, donc, on, on, on a enlevé pas mal de, de points ici à Outlier. Hein, vous voyez qui correspondaient à des locales ou des choses comme ça. Mais il y a quand même encore des appartements qui se vendent à Marseille à, à 8,5 millions d'euros. Euh, ce qui est énorme. Euh, mais euh, OK, euh, fine. Euh, du coup, on va essayer. Euh, donc, ici, on voit que la plupart des appartements se vendent plutôt. Euh, plus de 50% des appartements se vendent en dessous de 600 000 euros à Marseille. Là, vous voyez, quand on regarde ça, c'est ce qui est dit. Euh, là, vous voyez que la médiane, elle est à peu près elle est à 153 000 euros. Donc, euh, la médiane des valeurs est à 153 000 euros à Marseille en 2016. Ici, en 2017. D'ailleurs, euh, en parlant de ça, on va faire un petit df.describe pour voir très rapidement tout ça. Donc, on voit qu'en moyenne... Euh, bon, là, c'est pas très très lisible, mais je crois qu'en moyenne, c'est 288 000 euros la vente d'un appartement à Marseille en moyenne, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, et là, on voit qu'il y a quand même des immenses outliers. Ok, donc on va commencer à regarder un peu le, la, 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 la répartition des, des ventes. Donc, ici, euh, si moi je veux prédire mes valeurs foncières, donc typiquement, je vais essayer euh, là. Si je récupère les variations sur... Euh, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais regarder les, sur, les, sur les rues. Et, et on va voir la rue la plus vendue à Marseille, peut-être. La, la plus chère à Marseille. Donc là, si je fais « Voix », et je récupère... Euh, tac, je vais me venir le mettre à la fin. Il va falloir que j'organise un peu ce, ce notebook. Si je fais « Voix », je vais regarder il y a combien de valeurs de voix à Marseille dans ce base de données. « ValueCount », j'ai mis un « S » en trop. Ok, donc la, 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 la voie la plus vendue à Marseille, c'est celle du Redon euh, 876. Et il y a 3300, euh, 3357 voies concernées dans ce data frame. Et vous voyez qu'une des voies les plus vendues, c'est le Prado, qui est une grosse, grosse artère de Marseille, l'avenue la, du Prado. Euh, et après, il y a le Boulevard National aussi, et rue des Paradis, qui est aussi une très, très grosse euh, artère de Marseille. Donc là. Ce qu'on va voir, on va essayer de voir la variation euh, du prix euh, à euh, le haut redon, par exemple. Okay ou euh, pff, un truc que je connais mieux peut-être, ou euh, du Prado. Donc ici, euh, tac. Ouais, on peut faire une échelle, on peut, on peut faire un lock sur, sur les prix des valeurs foncières. On, on, va, le voir, on va le voir juste là, là. D'ailleurs, euh, peut-être on, on va voir la valeur foncière à partir euh, du... Euh, surface réelle bâtie. on va essayer de faire ça on va plo... j'espère que ça va prendre trop de temps parce qu'en fait c'est ça le, le problème c'est que la plupart du temps euh, ça... ça peut prendre du temps mais là normalement ça devrait aller donc là je vais récupérer mon perplot et je vais faire un perplot uniquement euh, j'ai déjà un port je vais faire un perplot uniquement sur euh, donc ici ça sera le type et je vais faire un perplot sur valeur foncière. Et on va voir qu'effectivement euh, un, 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 une échelle logarithmique s'est adapté. Euh, je, je peux vous expliquer, mais je comptais plus vous l'expliquer après dans le machine learning pourquoi. Euh, valeur foncière. Tac, euh, est-ce qu'il y a un E Un valeur foncière. C'est juste ça que je veux regarder. Non, il n'y a pas de et. Ça s'écrit direct comme ça. Euh, ouais, je vais, je vais, on va faire un nuage de points. Ouais. Donc là, tac, on va faire ça, utip, euh, des valeurs foncières. Et les trucs qui nous intéressent, c'est... Alors, ce qui va nous intéresser ici, ça va être euh, le, la surface réelle bâtie, par exemple, et euh, le nombre de pièces. Allez, on va regarder ça en espérant qu'il n'y a pas trop de fautes sur euh, les types. Hop là, je vais juste rechecker les types parce qu'il y en a d'autres qu'on a besoin de, de changer. Euh, objet, nature mutation, objet type local, objet premier lot, section commune, voie, code voie. Non, je pense que c'est bon. Euh, tac, j'enlève ça. Euh, et je vais le faire comme ça. Ok. Alors là, ah oui, parce que j'ai pas mis type. Toujours la même erreur, je pense. Mmh. valeur foncière qui rore euh, oui ok normal logique c'est moi est ce qu'il faut que je mette un sublist je crois type il est pas dedans pourquoi mais si type il est dedans euh, Ah non type local tac tac et tac là vous voyez plus je vous le mets là alors j'espère que ça va pas prendre trop de temps euh, allez on y est euh... Ok, cool. Donc là, on voit qu'effectivement, une échelle logarithmique sur la plupart de ça, ça peut être intéressant pour bien dispatcher les, values, les valeurs. Euh... D'accord En fait, l'échelle logarithmique, elle va venir aplatir un peu cette courbe et un peu écarter tout ça. Donc, c'est-à-dire que toutes les valeurs un peu extrêmes vont se rapprocher de la masse et toutes les valeurs de masse vont s'écarter. D'accord Donc, ici, effectivement, si on applique une échelle logarithmique à ça et même à notre boxplot. Euh, ici si j'appelle ça euh, je vais créer une colonne euh, que je vais appeler df valeur foncière euh, point, apply np.log import numpy as np hop là petite faute là et ici je vais dire df valeur foncière égal à ça ici je vais l'appeler log Et ici je vais récupérer log je pour faire notre box plot euh, alors c'est le problème entre guillemets du log c'est qu'en fait vous voyez donc là on voit la répartition des valeurs mais en fait on n'arrive pas à l'interpréter d'accord euh, par contre si je vous montre avec un perplot, avec une distribution ça sera beaucoup plus pratique donc ici, si je fais ça, vous allez voir que ça va euh, s'aplatir et ce sera beaucoup plus joli, on va dire. Euh, pour euh, constater les, lo les lois potentielles de distribution, donc là, euh, valeur foncière log, les, 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 les valeurs vous voyez qui se sont un peu écartées, mais en fait, c'est pas compréhensible. Vous voyez Donc en fait, typiquement, ce type de, de transformation peut être hyper utile pour bien représenter nos données euh, ou, pour bien, ou pour bien voir la distribution ou dans un modèle de machine learning ça va mieux euh, ça, ça va mieux fonctionner. Mais en fait, quand on veut explorer notre base de données, ce n'est pas forcément euh, hyper recommandé. Là, on voit euh, plutôt euh, qu'il y a effectivement encore quelques outliers ici. Il y, y, a, y a des pièces principales qui ont euh, 60 euh, pièces. Donc je pense que ça c'est aussi une erreur. <laughs> 60 pièces dans un appartement. Euh... <laughs> donc euh, on va on, va, on, on peut l'enlever. Okay Mais euh, euh, donc je vais dire tous ceux qui ont euh, même euh, tous ceux, enfin tous ceux qui ont euh, plus de 20 pièces principales quoi, dans un appartement, une maison, euh, euh, c'est pas vraiment potentiellement ce qui nous intéresse ici. Donc ici tous ceux qui ont. Euh, tac, je le mets ici. Nombre euh, de pièces principales. Mmh, il est où Il est là. Nombre, pièce principale. Je fais des, je, vous, voyez, vous me voyez faire des copier-coller sur les noms de colonnes. Parce qu'en fait, c'est une erreur commune. C'est euh, de ne pas, euh, pas avoir le bon nom. Allez, je vais dire 21. Comme ça, on en prend ceux qui sont égales euh, avant. Tac, tac. Et là, maintenant, on est passé à 73 000. Donc, rappelez-vous, au début, on avait 150 000. Là, maintenant, en, faisant, en appliquant nos filtres, on est déjà à 73 000 hein, qui nous intéressent euh, sur notre base de données. Euh, tac. Tac. Alors là on voit que euh, surface réelle bâtie, valeur foncière, donc il euh, n'y a pas vraiment de courbe euh, linéaire comme on, pour, comme on pourrait s'y attendre. D'accord, là, là ça va vraiment dépendre, je pense, de, du lieu, etc. C'est etc. un peu ça qui est justement tricky avec le prix euh, des maisons, c'est qu'en fait c'est un problème euh, à haute variable. Euh, a, a beaucoup beaucoup de variables de complexité pour décrire le phénomène et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de, de, de le visualiser et de, et de l'utiliser en fait enfin de, de, de l'étudier quoi. OK euh, Tac un nuage de points x lieu y prix. Euh, alors si je fais ça euh, en, en fait on peut faire ça mais on va faire ça en fonction du code postal okay. Et comme ça au moins on va, on va voir la différence. Euh, par rapport au code postal. Parce qu'en fait, le, si je mets lieu en fonction de toutes les voies, des 3000 voies, on ne va rien voir en fait. Euh, donc ici, si je fais en fonction du code postal, je vais juste checker que le code postal, ce soit euh, la valeur que c'est. Euh, si je remonte... Code postal, 13011 011 comme ça, c'est bizarre ça. Moi, j'aurais bien voulu un code postal en... En, en objet. Parce qu'en fait, le code... Alors... Alors, petit tips. Vous voyez, typiquement ici le code postal. Vous pouvez me dire, le code postal c'est un chiffre, d'accord Mais en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a des lieux, des, 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 des causalités entre le 13001, 13002, 13003, 13004 Est-ce que ça veut dire que 13016 est meilleur que 13001 Non, pas forcément. Alors, si on le laisse euh, en, en nombre comme ça, en fait, il peut, le modèle va pouvoir, peut va sûrement établir un lien de causalité entre ça alors qu'il n'y en a pas. Vous voyez, donc ici, typiquement dans la vie réelle, un code postal, c'est une, euh, une valeur informative non, non, non quantifiable. Vous voyez, c'est une valeur informative comme si je vous dis je m'appelle Anis. Donc il euh, n'y a pas anis plus que ça ou moins que ça. Donc en fait ici on va juste convertir euh, code postal en euh, string comme ça. Espérant que ça passe. Euh, parce qu'il n'y a pas de P majuscule, je crois c'est pour ça ça passe pas ok euh, et là, shape euh, alors j'arrive je vais je finis juste ça et je lis le chat euh, ici code postal tac petit problème blablabla 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 bla bla, bla bla bla. tac none of non 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 ah index. ah bon il y en a aucun qui est dans l'index hmm, c'est problématique ça euh, pourquoi il y a rien. Ah ok, parce que là, oui oui, je sais ce que j'ai fait. J'ai remplacé encore une fois une colonne. Euh, j'ai remplacé encore une fois mon data frame par une colonne, non Ouais, c'était sûr. Euh, tac, tac, tac. Ok, donc là normalement maintenant ça va marcher. Mm -mm -mm. Hop là, j'ai renié une cellule vide. Allez, j'espère que ça va prendre tout le temps. Donc là, il y a beaucoup plus de you », de différence. Euh, vous voyez que juste dire appartement maison, donc en fait il est obligé de bien calculer. Donc là on voit qu'il y a quand même une petite répartition qui commence à s'établir. Hein, euh, alors je vous laisse regarder ça, je lis le chat. C'est possible que pour le prochain live tu déplaces le YouTube du bas à gauche vers ailleurs euh, Ouais, je peux, le, je peux le déplacer, ouais. Après, après je, fais, je fais bien attention à ce, que, à, à, à ce que vous voyez bien, mais je peux le déplacer, ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon je peux le mettre, euh, je peux le mettre vers là, là. <laughs> il y a pas, si de... sinon euh, je vais pas m'embêter, je vais le mettre dans le header, euh, dans le qui est en haut. Ok, ça marche, ouais, pas de souci. Enfin, il faut, il faut juste que je check aussi parce qu'il faut que ce soit logique avec les autres épisodes, mais euh, si, 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 sinon je peux faire attention euh, à ce que ce soit mieux, hein, parce que là pour le coup ça va changer euh, tout le design de l'épisode, ça va me, je sais pas. Mais ok, ok, ça marche, pas de souci, je, je vais regarder. Euh... Donc là on voit qu'il y a euh, beaucoup, donc alors. Yeah, il, faut, il, faut, il, faut, il faut faire attention à ce graphique parce qu'en fait, il y a des points qui sont en dessous et on les voit pas forcément. D'accord Donc, si j'essaye euh, d'augmenter un peu ça, si je fais import matplotlib as.piplot euh, as plt et que je dis plt.figure fig size 10, 10 comme ça, euh, fig size égale. Ça va, ça va, être un peu long à ploter. Du coup, ce qu'on va faire, on va, on, va, on va, plus essayer de, 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 de visualiser l'évolution du prix moyen. Euh, si, non, ça va pas marcher. L'évolution du prix moyen par euh, code postal, peut-être. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut faire df euh, euh, Est-ce qu'on va faire un groupe by euh, Ouais. Non, on va, on va pas encore faire ça. Sinon, euh, sinon on va. Non, non, on va pas encore faire ça on va essayer plutôt de voir sur une rue c'est ce qu'on disait tout à l'heure df voix euh, tac égal paradis donc c'est euh, rue, de, rue, de, rue de paradis à marseille tac et ici on va euh, récupérer tout ça donc on a 465 rows et on va le plotter à partir de dat mutation. Okay Donc on va essayer de faire un petit truc cool. Plotly. Euh, plotly documentation. Python. Euh, on va récupérer des euh, lignes. Line charts, très bien. Tac tac tac. Ici, on va venir euh, plotter ça. Et on va afficher. Ah oui, ici comme on disait, on a la date, hein, d'accord. Donc on va venir afficher la date. Euh... Tac, date mutation. Donc normalement, il va bien comprendre que c'est une date. Euh, y, ça va être valeur foncière. Et mon DF, ça va être celui-là. Euh... Tac. Et ici, je vais dire évolution du prix rue paradis hop là je vous le montre comme ça au moins vous voyez euh, hop là ok donc je vais plus enlever la caméra comme ça au moins vous voyez ok j'espère que ça passe qu'il n'y aura pas d'erreur donc là c'est totalement dégueulasse pourquoi parce que euh, alors là c'est immonde ce qu'il a ploté là là parce que pourquoi pourquoi il a ploté ça comme ça la ligne elle suit rien du tout. Normalement c'est censé suivre par ordre date mutation. Il comprend que c'est euh, une date. Et là il le plot comme ça. C'est horrible de le plotter comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Euh, si je fais valeur foncière et que je récupère date. Ah c'est parce que c'est pas ordonné, c'est ça? Ce que... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que c'est pas du tout ordonné. Il ordonne pas bien sûr. Super génial, merci. Donc du coup, on va plus faire euh, point euh, sort by. Il y, 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 y a une erreur sur ça, je crois. Euh, sort value colon panda. Euh, je crois que dans le dernier, ils ont enlevé sort by ou sorted d'où je sais pas, quelque chose comme ça, je m'en rappelle jamais. Sort value par ça. Ok, bon d'accord. Aussi simple que ça. Euh, donc du coup ici si je fais euh, tac si je fais tac si je fais point sort values par date euh, mutation là ici il va euh, bien me le euh, sortir du coup je récupère ça je mets ça là voilà ouh donc là c'est un peu plus beau déjà donc vous voyez qu'on a, euh, il faudrait faire le prix au mètre carré, sort value les dates, euh, le prix au mètre carré. Ah ouais pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal pour le prix au mètre carré. Ouais on peut faire ça, on peut faire le prix au mètre carré. Euh, ouais ouais on, 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 on va voir ça. Donc là on voit que tout, euh, est-ce qu'il y a des pics, est-ce qu'il y a des saisonnalités. Donc on voit qu'en 2018, il y a eu une, une grosse grosse vente ici. Vous voyez. Donc ici ce qu'on va faire plutôt, on va faire euh, on pourrait faire la moyenne des ventes. Parce qu'en fait il y, y a des ventes qui sont qu'on ne voit pas forcément. Mais on pourrait faire la moyenne des ventes euh, par jour. Mais On peut faire un. Euh, euh, ouais, on peut faire ça. Après, ça va être un peu long à faire. Parce qu'il faut faire un, un groupe by. Et les groupes by en panda, euh, c'est toujours un peu rock'n'roll. Mais on va construire cette, cette feature vente au mètre carré du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire df valeur au mètre carré est ce qu'on a une est ce qu'on a ça est ce qu'on a ça comme information déjà surface réelle bâti je crois que c'est premier lot un lot de non c'est pas ça je crois que c'est surface habitable non il y a un truc comme ça surface habitable habitable non ok surface descriptif je crois que c'est loi caresse non c'est euh, le tr... c'est je crois que c'est ça c'est premier lot un lot de copropriété d'une partie privative et d'une seuls les cinq premiers lots sont mentionnés Blablabla. je crois que c'est premier lot le la surface habitable je suis pas sûr mais euh... Euh, je crois que c'est ça. La et la surface mesurée au sol entre les murs et arrondie au mètre carré inférieur. Il s'agit de la somme de la surface réelle du local et de la surface des dépendances. Bah non, en fait, c'est ça. Surface réelle bâtie. Moi, ouais, on va pas se casser la tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire DF euh, valeur foncière euh, par mètre carré. Donc, on va dire. Euh, mais là, c'est la surface. Donc, c'est mètre carré quand même. Donc là, c'est. Euh, Comment s'appelle Surface réelle bâtie, c'est ça Surface réelle bâtie comme ça. Tac, je vais juste récupérer le nom de la colonne précisément. Euh, surface réelle bâtie là. OK. Et maintenant, si je m'amuse à plotter ça. Hmm, à la place de valeur foncière, je vais plotter valeur au mètre carré. Est-ce que la valeur au mètre carré a changé Alors, euh, là, on voit qu'il y a eu des ventes où la valeur au mètre carré a été énorme. D'accord Mais sinon, on voit que c'est quand même plutôt constant. Ça, Alors, ça, c'est des outliers, je pense. C'est des ventes, euh, entre guillemets, euh, extrêmes. Vous voyez Hop là. Non, vous ne voyez pas, en fait. Donc, là, c'est des ventes, entre guillemets, extrêmes. D'accord Alors, euh, là, dans les 10 dernières minutes qu'on a. Euh, je vais en profiter, donc ça on pourrait y passer des heures à, à analyser ça. Je vais en profiter juste euh, pour euh, euh, vous introduire, euh, mon, voir si on arrive à faire un petit modèle de machine learning hyper rapide pour voir à quoi correspond euh, le. Euh, C'est quoi les, les, les features les plus importantes pour, pour décrire la valeur foncière. D'accord Donc on va faire un truc hyper euh, rapide. Là, qu'est-ce qu'on peut faire pour plotter une importance euh, on peut faire un. Euh, là, on va on va voir ça. Euh, on, peut faire un, une, on peut faire une régression euh, logistique simple ou on peut faire un random forest simple. On va faire ça. On va faire euh, random forest. Je vous expliquerai après tous ces algos euh, dans les prochains lives. Hein. Euh, random forest régresseur et euh, importance matrix. Tac. Mmh, 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 donc on va prendre celui de Scikit-learn, on va pas s'embêter, euh, on va juste faire, on va récupérer le code direct, ça sera plus simple. Tac tac. Ok, il n'y a pas. Super génial. Ah il y a le plot importance là. Non, ça c'est le missing value. Ok bon, on va faire celui de Scikit-learn on va pas s'embêter. Import euh, sklearn Tac. Et ici, euh, je vais récupérer. Donc régressor il est où Il est dans ensemble random forest regressor, alors from point .ensemble euh, import random forest regressor, ok donc là ici on va appeler ça notre modèle, alors on va, on va diviser ça en x euh, train, test, split, etc donc on va faire ça hyper rapide, là, en même pas 10 minutes là euh, on va entraîner notre premier modèle de machine learning train, test, split euh, on va, je vous expliquerai après tout ça, mais au moins ça, ça, ça nous... Donc peut-être c'est un peu ambitieux là, de vouloir faire ça comme ça, mais euh, je vous expliquerai ça après, si on arrive à le faire rapidement. Tac, tac, X, euh, Trend test split, on va faire ça. Oh non, j'ai tout fermé. Euh, attendez, je reviens. J'ai mis clic. Ok. Euh, tac, là je crois... Ok, il y a eu un petit bug sur la caméra alors il y a eu euh, du coup on va récupérer nos x donc ici typiquement on va construire euh, alors notre y c'est notre df valeur foncière ok tac notre x ça va être df 2 on va récupérer euh, les, les euh, des colonnes qui nous vont bien donc on va pas s'embêter on va récupérer uniquement ceux qui sont en, en int et en float et on va aussi récupérer uniquement euh, ceux qui sont en. Euh... Bah oui, ceux qui sont uniquement en, en inter en float et ceux qui sont pas euh, nuls pour le coup. Enfin, ceux qui sont euh, pas trop nuls. Euh, Où il y en a pas beaucoup qui sont nuls. Ok euh... Tac, tac, tac. Donc là, on voit qu'il n'y a que premier lot, numéro de voix, type de voix qui sont nuls. Donc on va récupérer. Euh, ici. On va récupérer. Mm, valeur Numéro de voix, on s'en fout. On va récupérer. Code département, code commune, ça va être la même chose parce qu'on est dans le 13 à Marseille. Numéro de plan, on s'en fout. Nombre de l'eau, donc on va récupérer nombre de lots, Comme ça. Ok. Après, on va récupérer. Hop là. On va récupérer. Euh, day, year, month. Donc en fait, là, ce que, je, ce que je fais, je récupère toutes les valeurs que je veux, qui, que, toutes les colonnes pour lesquelles euh, je veux qu'elles contribuent. À la prédiction de mon modèle, d'accord Pour tenter de deviner, euh, pour tenter de, de me prédire la valeur foncière, d'accord euh, Alors, valeur au mètre carré, on va pas le récupérer parce qu'en fait, c'est une valeur qui a été construite à partir de notre label, donc de valeur foncière. Donc, on va éviter de faire ça, sinon notre modèle, il va avoir des, des résultats incroyables, <laughs> d'accord Parce que ça va me vo voir voir qu'il a été. Euh, voir, qu il a été divisé, voir que la valeur a été divisée par quelque chose d'autre. C'est des trucs qui sont quand même assez faciles à voir. Surface réelle bâtie. Hop là. On va récupérer quoi d'autre? Euh, code type local, on s'en fout. Nombre de lots. Euh, allez, on va récupérer ça. Non, même pas. On va pas récupérer ça. Numéro de plan in commune. Ok, donc on va essayer de prédire la valeur euh, foncière des appartements à Marseille à partir du nombre de lots, du mois, de l'année, du jour de leur vente. Ah, on va récupérer aussi code postal. Mais là, pour le coup, euh, code postal, il a un objet. Du coup, je vais juste le repasser très rapidement pour pas s'embêter en int, ok tac ici il y a une petite faute ici je vais récupérer mon df code postal égale df code donc là on est en train de faire le modèle le plus rapide de la terre hein. en 10 minutes, code postal as type int mais je pense que là maintenant vous voyez tous euh, ce que ça veut dire ce que je fais donc ici euh, voilà. mmh. with base 10 ok Ok, alors ça, ça va m'embêter. Je vais traiter ce problème de la manière la plus sale qui soit. Replace Replace.0. Ok. Je crois que ça va marcher ça. Parce que j'ai fait ça et je vais le remplacer par rien du tout. Ok, et maintenant si je fais ça... Tac. Donc ici, je vais dire de le convertir en int. Et il me dit qu'il y a un non. Euh, du coup, je vais fil euh, non 0. Ah ok, non, parce qu'en fait, il me dit carrément que... Euh, ok, donc on va, on va encore remplacer un autre truc. Euh, on va remplacer non par euh, 0, par exemple. Ok. Et là, replace must be string or kelbo. Ok, donc là, on va remplacer par euh, rien du tout. Et là, il me dit qu'il ne peut pas traduire ça. Ouh, super, donc là, je vais euh, faire code euh, pour... Euh, hmm. Sinon, est-ce que, est que, est que je peux faire ça Est-ce que je peux faire np... Non. Float object is not kelbo. Euh, ok. Euh, parce que là, j'ai fait ça. Replace, ok, bon, ok. Il a gagné. Je vais faire ça. Et ici, je vais juste dire que c'est 0. Invalid literal, tac. Euh, hmm. Pourquoi Si euh, je fais ça. Sinon, on va pas s'embêter, on va le dropper, hein, mais euh, ça doit être des, des petites. Vous, typiquement, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit qu'un qu'un. Qu comment on appelle ça? Qu'en machine learning, en intelligence artificielle, 80% du taf. Euh, C'est de la manipulation de données. C'est exactement ce qu'on veut dire là, parce qu'en fait on se casse la tête sur des trucs. Donc là ici, code postal. Ah ouais, ok. Wow. Oh, oh j'ai fait une bêtise là. Oh il, il a remplacé comme un pas beau, là. Oh là là. Euh... Ouh. Du coup on va juste récupérer ça comme ça, en fait. On va pas s'embêter. Et on va récupérer. Euh, on va pas faire tout ça et on va juste checker qu'on a bien tout ce qu'il nous faut. Ok, in 64, voilà, comme ça au moins on est bien. Ok, donc on fait ça. Là, il y a une petite faute parce que j'ai mis un espace. Tac. Ok, donc là on est bien. Euh, Transplit is not defined. Effectivement, je l'ai pas importé. Je l'importe de Scikit-learn. Donc Scikit-learn, pour ceux qui connaissent pas, c'est une bibliothèque faite par nos amis de Linria, donc c'est une bibliothèque française. Euh, donc c'est c'est un peu un fleuron français parce que c'est hyper utilisé. Euh, c'est hyper utilisé en en machine learning en fait finalement. Donc ici, je vais euh, récupérer ce petit régressor. Tac. Donc ça va être notre modèle. Ok. Donc ici euh, mon max diff. Je vous expliquerai après ça correspond à quoi. Ok. Mais là, je vais mettre max diff comme ça, random state à 0. Et là, si je dis .fit x train, y train, uh, is not defined, tac. Bien sûr, il y a des noms. <laughs> du coup, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. Drop Dropna. Now. Dropna. Now. Euh, non, on va, on va faire un truc un peu plus propre quand même, df égale DF point drop. Là, donc ça on va enlever tous les noms parce qu'on n'a pas fait de, de choses pour checker euh, si on avait des... Co comment on allait traiter les non-values. Donc il y a plusieurs choses qui existent. Hein. Le mieux c'est de faire euh, en, dans, des, dans des problèmes à haute, à haute variable de complexité comme ça. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une stratégie de complétion des noms, des noms par imputation. D'accord euh, Je vous laisse regarder c'est quoi mais on le détaillera dans les prochaines vidéos. Euh, ici donc ici ça entraîne notre modèle de machine learning euh, et notre petit modèle est bien entraîné ici donc on va juste récupérer les features importance pour checker ok euh, donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond ça et on va regarder un peu notre euh, accuracy donc euh, accuracy trend test split cycle learn. Donc on va pas par cross validation, on veut juste un truc tout bête, sinon on va juste récupérer euh, accuracy matrix, cycle. Donc tac, ok, tac. Donc on va récupérer notre euh, x. Donc là maintenant on va faire notre prédiction et on va évaluer notre modèle. X predict est égal règle et on va utiliser notre jeu de données de test. Ok. Et ici, je vais récupérer un predict là. Il y a une petite faute. Tac, ça équite accuracy. Je vais importer ça. Donc ici, c'est pour c'est une métrique tout simple pour calculer à quel point on a juste ou à quel point on a faux. Donc ici, je vais accuracy, je vais l'appeler. Donc y true ici, c'est ce qu'on a appelé y reste. Uh, YPRED, uh, c'est celui-là en fait. YPRED. Donc en fait, uh, si je fais une petite pause, uh, on a entraîné notre modèle ici sur XTrain et YTrain, et maintenant on va uh, le tester sur un autre jeu de données. Et en fait ici, le train-test-split, c'est pour couper en fait, notre data frame en une part d'entraînement et une part de test, parce qu'en fait on ne va pas évaluer notre modèle sur ce sur quoi il s'est entraîné. D'accord uh, Ici, si je, si je vous regarde mon accuracy... Quand uh, is not supported, um, parce que je l'ai normalisé, c'est ça Si je fais un truc juste comme ça. Mm -hmm. Ah oui, ok. Non, 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 bah non, pas ok. Non, bah non, pas ok. Pourquoi il ne veut pas euh, Accuracy, Y train, Y pred, Y pred, Y test et là, il n'a pas envie. On va regarder la tête de notre y_pred. C'est un arrêt et notre tête de notre y test, C'est une série. Donc si je fais point tout arrêt là, euh, bien sûr ça peut marcher. Euh, point values. Si je fais ça. Ok, si je l'évalue euh, comme ça. Est-ce que ça va passer Oh, come on euh, C'est quoi cette erreur là Une confusion de matrice, Mais je veux pas faire de confusion de matrix, moi. Euh, N'importe quoi. Je veux juste savoir combien il y en a qui sont justes, combien il y en a qui sont faux. Euh... Accuracy, matrix. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, mais non, mais je suis bête. Oh là là, accuracy, oui, mais non, mais je suis bête. On va faire un, un RMSE. Pff, parce que là, je, je regardais combien j'avais juste, combien j'avais fausse sur une, euh, sur une régression. Oh là là, là c'est la fatigue, mesdames, messieurs, qui parle. Donc ici, on va récupérer... Pas l'accuracy, on va récupérer le min score. Wow, d'importe quoi. On va récupérer le min score. Y pred, Y test, là comme ça. Et on voit qu'on a un RMSE qui est quand même vachement, vachement, vachement élevé. Euh, donc Non, ce même pas un RMSE, c'est un MIN. Donc, c'est un M MSE. Si je, si je récupère le, le RMSE, à mon avis, dans les métriques, ça va être... Donc là, c'est la, la documentation de, de ça Hitler, là Donc là, ici, MIN SQUARED, ERROR, MIN ABSOLUTE ERROR. Explain variance euh, R2 score. Bon, c'est pas grave. On va récupérer notre MSE. On va regarder ça et on va regarder à quoi ça correspond. Sinon, on peut. On peut on, on, ouais, on, bon, on va faire ça. Donc, on va surtout regarder en fait à quoi correspond ça. Donc, en fait, on va faire for euh, name euh, feature in. Donc là, on va zipper notre ça. Avec ça, et on va printer name feature. Et là, on voit à quel point euh, quelque chose participe à la prédiction. D'accord euh, On va juste le round, histoire que ce soit un peu plus lisible feature euh, fois 100, on va le mettre égal à 1. Ok, donc quand on regarde, si on essaye de prédire la valeur foncière très très rapidement euh, avec un modèle qui n'est pas du tout tip-top euh, finalement de notre, euh, de notre euh, valeur foncière. Donc ici, on voit que 33% euh, de la prédiction vient du code postal. Donc ça veut dire que le code postal est, est hyper important pour prédire la valeur foncière des appartements à Marseille. On a la surface réelle bâtie, ce qui est logique. On a euh, aussi l'année. Le mois et un peu moins le, le, le jour, d'accord Donc, finalement, que vous vendiez à la fin du mois ou au début du mois votre appartement, c'est à peu près la même chose. C'est plus des questions, à mon avis, de saisonnalité, d'accord De trimestre, je pense. Et euh, on a notre nombre de lots qui est égal, euh, qui, qui, qui est important, à 8 à 9 D'accord Donc, on voit quand même que là, c'est le code postal qui est hyper, hyper important. Ok Donc, là, typiquement. Euh, tout ça là, je vous le laisse. Euh, je vous invite à utiliser euh, ce qu'on a vu, tout ce qu'on qu vient de voir. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser pour vos prochains achats immobiliers à manipuler ce notebook là et euh, à regarder où est-ce que vous voulez investir <laughs> dans l'immobilier. D'accord euh, Ou être fatigué comme un dimanche, on va, on va, on va dire ça. Et euh, du coup, euh, vous pouvez aussi créer votre propre jeu de données ici à partir des, de la ville, de la commune que vous, voulez, que vous voulez voir. Et vous pouvez commencer à essayer de prédire la valeur foncière de, de ce que vous voulez investir. Donc, typiquement, vous pouvez essayer de deviner quand est-ce qu'il vaut mieux acheter un appartement au fur et à mesure dans l'année. D'accord Donc, comme vous pouvez le voir, on peut rapidement. Euh, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses sur ce type de, de base de données. On peut y passer des heures et des heures. Je vous ai dit, hein, il y a des startups qui se sont construites sur cette base de données qu'on est en train d'explorer ensemble. Donc, euh, la prochaine fois que votre oncle ou je ne sais pas qui vous dira, ça te dit qu'on achète un appartement ici, vous pourrez maintenant utiliser cette base de données pour aller vérifier quand, par exemple, vous dit euh, le prix de l'immobilier est en train de grimper euh, dans ce quartier. Eh ben vous pourrez aller le voir ici et voir si effectivement le prix de l'immobilier est en train de grimper ou pas. D'accord. D'ailleurs, là, on constate que la valeur des appartements euh, sont quand même plutôt constants, avec euh, une moyenne, je dirais une médiane même euh, plutôt à 300 000 euros. Donc, si vous avez 300 000 euros, vous pouvez facilement investir à Marseille. C'est l'information de la journée. Euh, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Euh, concernant les lives, je ne sais pas. Euh, je vous dirais, mais en fait, je pense que là, pendant une semaine, on va peut-être faire des pauses sur les lives. Pendant une semaine, euh, parce que je vais je vais être beaucoup, beaucoup chargé au travail cette semaine et euh, je pas forcément le temps de préparer les lives. c'est pas les lives d'une heure en soi qui, qui me bouffent du temps. En fait, c'est surtout toute la préparation en amont. Ça prend environ une heure, deux heures pour, pour bien préparer les lives. Euh, donc, je pense que toute la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je vous laisserai euh, décanter tout ça, utiliser, euh, revoir toutes les vidéos qu'on a fait, euh, revoir tous les notebooks, euh, bien savoir tout ce qu'on a fait en Python. Il faut, il, normalement, là, aujourd'hui, vous êtes capable de savoir coder en Python. Vous êtes capable euh, d'explorer de une base de données, de tirer de l'information d'une base de données. Et là, je vous ai mis un peu l'eau à la bouche en commençant à faire des modèles de machine learning comme ça. Donc là, vraiment progressivement, vous allez commencer à arriver, si vous avez bien suivi tous les notebooks, etc., à un niveau euh, plutôt euh, très correct. D'accord Et en plus, je, je vous donne des, des, des petits tips aussi en même temps. Mais euh, voilà, je pense que semaine prochaine... Euh, on, on, on fera pas de live, on, on reprendra les lives euh, à partir de euh, la semaine d'après, du coup la dernière semaine de confinement, on la passera ensemble. La semaine prochaine, je vais, je vais publier des, des vidéos sur la chaîne sur euh, TensorFlow pour ceux qui veulent voir. Donc euh, on a une série de vidéos pour apprendre à faire du deep learning avec TensorFlow, mais ça demande des, des, un certain background en Python déjà. Donc euh, là, typiquement, si vous êtes arrivé jusqu'à là et que vous savez faire du Python, normalement... Euh, vous êtes en mesure de récupérer euh, le, 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 le train de la série euh, des lives euh, de deep learning qui a euh, sur la chaîne. Donc là, on a déjà les trois premiers épisodes. Euh, en attendant, si vous vous ennuyez, la semaine prochaine, je vous invite euh, à faire du, du deep learning euh, en Python avec TensorFlow. Donc moi, je vous dis... Euh, à, du coup, euh, la semaine prochaine pour ceux qui vont regarder les autres vidéos qui seront pas des live Python mais d'autres euh, types de vidéos et pour ceux qui suivent euh, les live Python, bah allez voir les autres vidéos. Sinon, je vous dis à euh, la semaine d'après pour reprendre ensemble les live Python et on attaquera la troisième partie qui est donc la partie machine learning, data science et on fera des lives qui vont commencer à intéresser j'espère euh, pas mal de monde euh, donc les lives pour apprendre à faire de l'intelligence artificielle et on découlera petit à petit vers du traitement d'images, traitement du son et euh, traitement de données globales comme on vient de le faire ici. Finalement, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bon dimanche, bon week-end et bon tout ce que vous voulez. Salut